Bonjour les femmes, c'est moi, c'est Bernadette. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent? Eh bien, je vous amène dans ma cuisine. Mais pourquoi je vous amène dans ma cuisine? Vous rappelez-vous l'année passée avec notre belle Sophie? Que voici! Coucou Sophie! Sophie était venue nous rendre visite et on avait fait un bel épisode de Noël avec elle. Puis, on voulait la recevoir avec des beaux dominos. Mais on n'a pas trouvé à l'épicerie en boîte comme on aimait dans le temps les bons nananananaimo. Il n'y en avait plus. Fait que là, elle nous l'avait apporté de chez eux. Et là, c'était pas comme si nous autres, on la recevait. Fait que là, cette année, là, j'ai pas fait ni un ni deux. Je me suis dit, il faut que je me trouve une recette de nananamimo, puis que je vous montre ça. Fait que j'ai pas fait ni un ni deux, hein? J'ai donc trouvé une recette de domino. C'est les dominos à Chantal. Chantal, c'est qui Chantal? C'est l'amie à Yvette. Yvette, c'est ma soeur. Fait que salut Chantal! Si jamais tu reconnais ta recette, ben c'est la tienne qu'on va faire aujourd'hui. Donc les femmes, je vais vous faire une liste d'ingrédients pour commencer. Ça nous prend du beurre. Ça nous prend du sucre. Qu'on a ça ici comme ça. Ça nous prend un œuf battu. Qu'on va battre tantôt. Ça nous prend du chocolat mi-sucré. Regardez ça, les femmes. Quand on a des enfants, les femmes, ça arrive des fois qu'on a deux paquets de la même chose débouchés. Fait que c'est ça. On en masse, chocolat. Ensuite de ça, ça nous prend des petits biscuits Graham. Puis, ça nous prend de la noix de coco. Ça, c'est les ingrédients qui vont aller dans notre couche de base. Ensuite de ça, ça nous prend, pour la petite couche du milieu, ça nous prend du beurre. Ça nous prend de la pudding instantanée à la vanille. Ça nous prend 2 cuillères à soupe de lait que je vais sortir tantôt du frigo. Puis, ça nous prend du sucre glacé pour aller là-dedans. Puis là, dans cette étape-là, c'est là qu'on peut être fancy. Avec, ben oui, toutes les choses, les petits colorants alimentaires. Fait que c'est ça. C'est à cette étape-là, les femmes, qu'on peut rendre le petit domino fancy. On peut même aller jusqu'à en faire une coupe de couleur. Regardez ça! On est chanceuse parce que si Janine aurait mis la main là-dessus, il n'y en aurait plus, ben. Comme ça, on va choisir ça tantôt. Puis après ça, on se fait une belle petite couche de chocolat pour aller là-dessus. Fait que les femmes, on commence, OK? On y va avec une demi-tasse de beurre. Ça la prend un petit on va regarder ça là-dedans. OK. On va prendre un petit bol. Ça nous prend un tout petit beurre fondu. Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. OK. Fait que les femmes, je fais ça puis je vous reviens. Bertrand, coupe. Bon, les femmes, ce que j'ai fait, ça nous prenait une demi-tasse de beurre. Puis on faisait fondre ça là, avec une demi-tasse de chocolat mi-sucré dans le micro-ondes. Fait que ça nous donne ça, hein? Je l'ai fait fondre dans ma grosse tasse qui peut contenir 4 tasses. Là, les femmes, pour la recette, là, je vais vous l'écrire en dessous, là. Dans la petite barre de description d'émission, là, je vous donne la recette, je vais vous l'écrire là, OK? Tiens, fait que là, ça, c'est bien fondu. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ajoutez le sucre et l'œuf battu. Le sucre, les femmes, 2 cuillères à soupe de sucre. On met ça là-dedans. J'ai décidé que je ne changerai pas de plat. OK? Tiens. 2 cuillères à soupe de sucre. Puis on va s'ajouter un petit œuf battu là-dedans. Tiens, les femmes. Mon œuf, là, c'est un petit œuf de grosseur ordinaire. Dans l'épicerie, le paquet est moins cher. OK? Mon bon petit œuf. On ajoute ça là-dedans. Tiens, toi. Ah oui, dans le même. Ensuite de ça, on brasse ça. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Mélanger, ajouter les biscuits Graham et la noix de coco. Comme ça, les biscuits Graham, c'est ça ici, je les ai achetés déjà. Tout en petites miettes, mais sinon, là, vous pouvez les acheter là, en morceaux puis les émietter vous autres même avec un rouleau à pâte. Hey, aujourd'hui, là, je me sens comme Ricardo, je vous le dis, là, pas de bon sens.
Donc, on débouche ça. Combien qu'on en atteint? 2 tasses de biscuits grands. On y va avec ça. Tiens. On ajoute ça. Oh, ma tasse est juste les femmes. Ben beau ça. On ajoute une tasse de noix de coco râpée. Moi, j'ai pris la noix de coco non sucrée. Parce que c'est la première du port. Bertrand, tu serais-tu bon pour me donner des ciseaux dans le tiroir ici, s'il te plaît? Juste ici en avant de toi. Ceux-là, n'importe qui. Une chambre que Bertrand pas loin. Merci Bertrand. C'est mon Ricardo à moi, ça. Tiens, fait qu'on ajoute une tasse de noix de coco. Bertrand, vous le voyez pas, mais il a tendance à faire des petites niaiseries. Tiens, on met ça là-dedans, une tasse de noix de coco. Et pas là. Là, je sais pas s'il va falloir que je change ça de plat, là. On fait un petit transfert, les femmes, OK? Ne dérange pas, Bertrand, je peux lui dire ce que tu fais, là. Inquiétez-vous pas, les femmes, je ne laisserai pas s'approcher de la recette. Pas de danger. Peut-être, oui. Mais ça le va. Bon, fait que là, on brasse tous ensemble, les femmes. Ça, là, c'est la première étape de nos dominos à Chantal. Fait qu'on brasse ça bien comme il faut. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. On va étendre ça dans un moule. Moi, j'ai pris mon 8 par 8. C'est tout ça, un 8 par 8? C'est un 8,5 pouces par 8,5 pouces. Fait qu'on va étendre ça là-dedans. On va taper ça bien comme il faut. Tiens, fait que les femmes, je vous laisse avec ça. Je m'en vais étendre ça, puis je vous reviens. Bertrand, coupe. Bon, fait que là, un coup que notre mélange de base est fait, ça nous donne ça ici, les femmes, OK? On aurait pu prendre aussi là, un plat rectangulaire, là. C'est la même largeur, un 8,5, mais un petit peu plus long. Mais là, j'avais sorti lui, fait que je l'ai laissé dans celui-là. Fait qu'on met tous nos ingrédients là-dedans, on tape ça, il n'y a aucune cuisson. On peut le mettre au four, on peut le mettre au four. On peut le mettre au frigo, en attendant là, qu'on prépare le deuxième, mais là, moi, je l'ai laissé sortir. Fait qu'on y va avec la deuxième étape, pour la deuxième étage. Ça nous dit un quart de tasse de beurre. Fait qu'on reprend notre tasse, on repige dans notre beurre encore. Mais là, il ne parle pas de le faire fondre. Là. Fait que lui, on ne le fait pas fondre, OK? On y va de même. On estropie la livre de beurre, mais ça, c'est juste pour la recette là, qu'on a le droit de faire ça. Parce que si quelqu'un ici m'a fait ça, là, ce ne sera pas facile. Fait qu'on y va avec notre quart de tasse de beurre. Au collège. On y va de même. Ensuite, 2 cuillères à table de pudding à vanille. Fait qu'on se débouche ça. C'est la petite poudine, là, la Jello, vanille, cuire et servir. J'imagine qu'après ça, là, ben, on la reprend puis on la refait un petit poudine, fait que je fais un petit dessert à nos enfants. OK. Ça sent bon. 2 cuillères à soupe. 1, 2. Ça va faire notre petit crémage, là, la deuxième couche. Fait qu'on y va avec ça. Après ça, c'est que ça nous dit 2 cuillères à soupe de lait. Regardez le lait, comment il est beau. Il est en mode Noël. C'est pas beau, hein? Ouais, fait qu'on se met 2 cuillères à soupe de lait là-dedans. Tiens. Puis, 2 tasses de sucre à glacer, les femmes. Mon petit Tupperware. J'ai même une petite pelle Tupperware. Là, il est pas grand, t'as un peu. Regardez ça. Moi, c'est quoi ça? Ça fait-tu pas bien si on laisse ça dans le plat? Fait qu'on va se mettre 2 tasses de sucre à glacer là-dedans. 1. Ou pas d'ail. Ricardo, c'est mal aligné. Le plat il est trop plein.
deux. Fait que tu en y vas de même. Puis là, là, dans la recette, les femmes, là, ça nous dit là, que si c'est trop épais, on peut rajouter un petit peu de lait, OK? C'est à ce moment-là qu'on choisit la petite couleur qu'on va mettre dedans. C'est qu'on y mettrait bien, hein? Avant, j'avais du rouge Noël, mais là, j'en ai plus. Fait que j'en ai plus. Je vais y mettre du bleu. On y va avec du bleu. Ma couleur bleue. Fait qu'on y va généreusement. On aurait pu séparer ça en deux aussi, ce petit mélange-là, là, puis en quatre, puis en huit, pour mettre toutes les couleurs, si on aurait voulu, OK? Mais là, tiens, on y va rien qu'avec le bleu. Ça va être bon, ça va être beau. Bon, fait que là, là après ça, il faut sortir la mixette, puis battre ça. Fait que là, on va arrêter ça. Je vais le mixer, puis après ça, je vous reviens pour la suite. Bertrand, coupe. Bon, les femmes, on se retrouve pour la dernière étape. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais étendu, là, mon petit crémage bleu. Fait qu'après ça, j'étais mon petit chocolat. On y va comme ça. Tiens. Après ça, on va tout mettre ça au frigo. Là, j'ai lu quelque part qui disait là, qu'on pouvait faire des lignes dans le chocolat avant de le mettre au frigidaire. Fait comme ça, quand on le coupe, ben, le chocolat, il a moins tendance à se casser, OK? Ben, on va y aller comme ça parce que mon chocolat, il est chaud, puis mon petit crémage, là, il a tendance à vouloir fondre un peu. Fait qu'on y va de même. Je vais essayer, comme ils disent, de faire les petites lignes. Je ne l'avais jamais essayé, ça. Fait que je fais des lignes. Comme ça, dans le chocolat. Et on se fait des beaux petits rectangles. Je ne sais pas ce que ça va donner, là. Je ne suis pas sûre, là, de la petite ligne. Peut-être que mon chocolat, il est trop chaud. Ça me fait comme mélanger le crémage avec le chocolat. Tout qu'on verra. Ça ne sera pas bien grave, même si je coupe pas ces lignes. Tiens, fait que, hein, pas de gaspillage. Fait que ça donne ça. Je vais vous montrer ça tout prochain un peu, les femmes. Fait que c'est ça que ça nous donne. Regardez ça. Une belle petite recette comme ça. De Domino. Fait que je mets ça au frigo. Je vais vous prendre des belles photos après. OK, les femmes? Des belles photos de mes beaux dominos qui vont tout être figés et qui vont être prêts pour Noël. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Comme je vous ai dit au début, je vous mets la recette en dessous de la vidéo. Pas de gêne si vous voulez la faire. Puis pas de gêne non plus pour nous partager là, vos beaux dominos si vous les faites. Vous nous direz ce que vous en pensez. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye bye. À bientôt pour une autre petite porte du calendrier de l'Avent de Germaine et Bernadette Tricot. Bye les femmes!